J'espère que vous allez bien. Alors nous sommes lundi, je suis avec mon mari. Eh oui. On est parti faire de la marche rapide. Je vous prends quand même rapidement avec nous. Ça fait combien de temps là déjà qu'on est parti? 5 bonnes minutes. Ouais, à peu près. Donc voilà, ça change un peu. Je vais faire un peu de sport avec mon mari, c'est cool. Je vais vous montrer, on vient juste d'éplucher les légumes et ce midi on va manger des brocolis avec un peu de navet et des carottes. Donc voilà, on va faire tout ça au Magimix. Bon, ce midi on fait des steaks hachés pour accompagner nos légumes et bien sûr je sale avec du sel rose de l'Himalaya et pas du sel de table. Maintenant je fais comme ça quand j'essaie. Et en matière grasse, j'utilise de l'huile de coco. Bon, voici mon repas de ce midi. Ça donne trop envie, en plus on a faim. Il est pratiquement 13h, on n'a pas encore mangé. Bon appétit mon mari. Merci. Ici il y a le vélo, mon mari était motivé pour aller faire du vélo, mais finalement... Ça a été la marche à pied. Bon, après avoir mangé, c'est boulot. Donc aujourd'hui j'ai à peu près une heure et demie. Cet après-midi, il faut vraiment que je me penche pour avancer dans mon travail. En attendant, Sébastien, je sais pas si vous allez le voir, est en train de faire un peu de pâtisserie. Enfin, du moins, il prépare des cookies pour les enfants pour ce soir, enfin pour 4 heures. Et puis bah moi, je vais bosser un peu. Chérie vient de sortir les petits cookies du four, ils sont trop beaux. On vous a pas filmé la recette, hein. C'est pas du tout une recette diététique, donc c'est pas une bonne idée si je la mets là maintenant. Je vous propose de réaliser aujourd'hui un gratin de rouleaux d'aubergine, ricotta et tomate. Alors pour cette recette, il vous faut 2 aubergines, 250 g de ricotta, une boîte de pulpe de tomate, une botte de persil, un oignon, une échalote, 2 gousses d'ail, une boule de mozzarella, des pignons de pin, du sel et du poivre, et pour cuire le tout, de l'huile d'olive.
Bon, que vous dire par rapport au sport de ce matin? C'était terrible. Vraiment, faut vraiment que je m'y mette. Cardio et renforcement musculaire à la fois, c'est pour moi c'est un supplice. C'est très dur. J'ai l'impression que je vais mourir 10 fois. Et pourtant, c'est ce qu'il faudrait que je fasse parce que c'est vraiment. Si vous voulez, c'est vraiment. Là, j'en ai fait 20 minutes par exemple. Donc c'est sur de petites durées, une courte durée, mais c'est hyper efficace. Ça vient vraiment puiser directement dans les graisses. Et voilà, il faut vraiment que je m'y mette quoi, parce que là ça va pas du tout, mais vraiment pas du tout. J'ai pas réussi à finir mes séries, rien du tout. Donc la semaine prochaine, je vais essayer de commencer à faire une ou deux séances par semaine. Je pense que ce serait pas mal. Bref, là, il est l'heure pour moi d'aller manger. Ensuite, avec Sébastien, on doit tourner un retour de course comme tous les mardis. Bon, on vient de finir de tourner le retour de course. Regardez-moi tout ça. Voilà. D'ailleurs, je vous ai jamais dit, mais je tourne un retour de course une fois par semaine. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, parce que vous êtes nombreux, franchement nombreux et nombreuses, à être arrivés sur la chaîne dernièrement, je constate que les diet vlogs marchent très bien et que ça vous plaît. Moi, ça me fait trop plaisir, vraiment. Et donc, sachez que au-delà des diet vlogs, je tourne une fois par semaine un retour de course dans lequel, en général, j'intègre une recette. En général, la recette qui est dans le retour de course, je vous l'intègre aussi dans le diet vlog de la semaine parce que il y a des gens qui regardent les diet vlogs mais qui ne regardent pas les retours de course et d'autres vice-versa. Voilà. Donc c'est pour ça que je les mets de part et d'autre. Donc en général, je vous montre tous les produits que j'achète pour la semaine et ça peut vous donner des idées. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir le retour de course si ça vous dit. Et puis, si vous avez des idées de recettes aussi, n'hésitez pas à vous laisser des petits commentaires en dessous de la vidéo. Si Sébastien est à même de pouvoir les faire, il vous les fera avec grand, grand plaisir. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est jeudi matin, je suis sur la faim, ça y est. Le sport est fait, j'ai fait du vélo ce matin, assez cardio, c'est cool. J'ai bien transpiré, vous pouvez le voir d'ailleurs. Et voilà, je suis contente. Il y a déjà une chose de faite pour aujourd'hui, c'est cool. Je vais voir si j'ai encore la force de faire un peu de renforcement musculaire, sinon ce sera fini pour la journée. Bon, sinon, je voulais vous montrer. Je me suis commandé il y a quelques jours une ceinture de sudation. J'ai pris cette marque-là. Voilà, c'est une influenceuse sur Insta. Et comme je sais que en général, elle fait des choses de bonne qualité, j'ai voulu tester sa ceinture de sudation et je la trouve super top. Aujourd'hui, c'était l'essai. Et regardez. Voilà. J'ai bien transpiré. Je sais pas si vous allez voir. Et du coup, voilà, je peux dire que c'est quand même relativement efficace. Donc, j'essaye pendant quelques jours et ensuite je reviens vers vous pour vous dire si vraiment j'ai vu un changement au niveau de mon ventre ou de ma taille. Bon, ça y est, j'ai terminé mon sport. Je me suis douchée, je me suis un petit peu apprêtée. Et là, j'ai pas mal de mails en retard, donc je vais les traiter. Et ensuite, je vais me préparer mon petit repas pour ce midi. Enfin, Sébastien, je crois que ce midi, il m'a proposé une salade d'endives. On va mettre des noix dedans et peut-être du jambon de Parme. Donc voilà, on va manger ça ce midi. Et puis voilà, la journée va passer très très vite parce que j'ai pas mal de travail en retard à faire. Mais en même temps, j'aime bien. Voilà, c'est un rythme qui me plaît bien. J'aime bien être occupée, avoir toujours plein de choses à faire. Je trouve ça cool et au moins on n'a pas l'impression d'être en confinement. D'ailleurs, en parlant de confinement, aujourd'hui bon, on est jeudi et mardi soir, bah, vous êtes tous au courant qu'il va y avoir un petit allègement du confinement. Donc on va pouvoir quand même sortir 3 heures dans la journée. Pour nous, c'est cool, surtout que pour ceux qui ne le savent pas, j'habite au bord de la mer.
Donc, je suis à peu près à 4 km, entre 4 et 5 km maximum de la plage. Et comme on était limité à 1 km, bien sûr, je n'y suis pas, on n'y est pas allé. Mais ce qu'on aimerait, c'est qu'à partir de lundi, que je puisse faire un peu plus de sport à l'extérieur, courir, parce que moi j'avais l'habitude aussi de courir. J'aime bien courir au bord de la mer. Je trouve que c'est dépaysant. Puis voilà, vous regardez à l'horizon, c'est beau. Enfin voilà, c'est autre chose. Et du coup, je pense qu'à partir de lundi, je vais faire beaucoup plus de sport dehors, sur la plage, au bord de la mer, etc. Donc voilà, je vous embarquerai bien sûr avec moi. Et ce sera cool. Donc voilà. Sinon, bah écoutez, à part que nos vacances de Noël sont annulées parce qu'on avait l'intention d'aller au ski, tout était réservé et finalement, bah, on va pas pouvoir y aller. Vous êtes tous au courant, hein, le ski, les stations de ski ne seront certainement pas ouvertes. Donc on va annuler. J'ai déjà essayé d'appeler depuis ce matin et bizarrement, personne ne répond. Donc je sais pas, je trouve ça bizarre. Je vais attendre et on verra ça cet après-midi. Bon, en attendant, vous savez ce que j'ai envie là? De me faire un petit jus, gingembre, pomme, ananas. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Et citron. Voilà, je vais faire ça. Bonne idée. Passe à table. Alors, ce Je vais midi, t'avertir. c'est une salade avec de la mâche, des endives, du jambon de Parme, des noix et de la tomate. C'est de la cœur de bœuf. C'est ça, chérie, que tu manges? Non, c'est de la noire de Crimée. Ah, la noire de Crimée. Je suis à Voilà. l'ouest. De la noire de Crimée. Donc voilà, ça va être bon, je sens. Salade de saison. Exactement. Et en plus, on a voulu tester donc l'huile de noix qu'on a achetée cette semaine. Donc voilà, je vous dirai si c'est bon ou pas. Bon appétit. Merci. Bon, aujourd'hui, je vous montre ma ceinture de sudation, ma nouvelle ceinture. Voilà, c'est de la marque Nessia Sport. Je la trouve vraiment top. C'est vrai que c'est la première fois que j'en mets. Du moins, j'en ai jamais utilisé avant. Donc là, ça fait 3 jours que je l'utilise en faisant du sport, mais vraiment. Et quand je l'enlève, je suis toute transpirante, je transpire beaucoup plus. Donc voilà, je vais tester sur du long terme pour voir si ça change quelque chose. Apparemment, ça aide quand même à perdre du ventre, à s'affiner de la taille, etc. Donc je vous dirai ce qu'il en est. Voilà, quand. Donc je vous dirai ce qu'il en est. Donc du coup, je vous dirai ce qu'il en est d'ici quelques jours. Mais franchement, je suis déjà très satisfaite et puis en plus, elle est de bonne qualité, c'est trop cool. Le sport est terminé. Je suis morte. Vraiment, je suis KO. Là, c'était. Waouh, on voit que c'est vendredi. Je me suis dit, je me donne à fond avant le week-end et franchement, c'était bien. Mais je suis morte. Voilà, je sais pas si j'aurai encore le courage de faire quelque chose d'autre après, on verra. Mais c'est ça. Bon, ce midi, on a fait une petite soupe de légumes mélangée.
Donc du coup, je me suis refaite une petite salade comme hier avec des pignons de pin, de la mâche et du jambon de Parme. Et je vais prendre une petite soupe quand même. Voilà. Bon, je vous retrouve en milieu d'après-midi. Il y a mon mari qui est juste là et moi qui suis en train de plier du linge. Voilà, vie ma vie. On est en train de préparer une petite recette qui est très très sympa. Ça va être cool. Je crois que ça va être trop cool. Je vous propose de réaliser un banana bread sans sucre. Donc pour cette recette, il vous faut 2 bananes bien mûres, 2 œufs entiers, 200 g de farine, un sachet de levure chimique, une cuillerée à soupe d'huile de noix, 40 g de noix de pécan hachées. Alors si toutefois vous n'avez pas de noix de pécan, vous pouvez le remplacer par de la noisette ou bien de l'amande. Et pour décorer, quelques noix de pécan. Recette est terminée, on ne les a pas encore goûtées, mais j'ai trop hâte. Et franchement, ça donne trop envie. Bon, je suis en train de monter le vlog et entre temps, j'ai goûté le banana bread que Sébastien a fait, c'est trop bon. Même lui d'ailleurs, t'as goûté, hein? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ben non, franchement, c'est bon, hein? Regardez même, je vous fais regarder. Là, on voit même, regardez, c'est bien souple. Donc c'est franchement, c'est super bon. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est samedi matin, il est l'heure de se peser, il est très tard, il doit être 9h30, entre 9h30 et 10h moins le quart. J'ai bien dormi, j'ai tellement bien dormi qu'on m'a laissé dormir et que je me suis levée hyper tard. Mais bon, bref, c'est pas grave, j'ai pas encore mangé, j'ai rien dans mon ventre, je suis vraiment à jeun, donc je vais me peser et puis ensuite on se retrouve. Bon, bah, je vous coupe ici, je vous laisse le suspense pour la fin. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Moi, impeccable, tout va bien. Bon, bah, on a eu l'annonce de notre cher président, hein, donc écoutez, que dire, si ce n'est que je suis sûre de continuer à faire du sport à la maison pendant encore un long moment. Donc maintenant, ça sert à rien de se mettre la rate au courbouillon. C'est comme ça, il faut l'accepter. Que vous dire, si ce n'est que j'ai passé une très bonne semaine, j'ai gardé un peu le même rythme qu'au début. Si ce n'est que maintenant, vous avez dû voir, mes assiettes sont plus gourmandes. Je varie, voilà, je varie un peu plus. J'essaie vraiment de me donner envie de continuer sur la durée. Si c'est trop restrictif, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais être écœurée, voilà, je risque de lâcher. Donc voilà, je jeûne toujours le matin et j'ai donc 2 repas par jour, midi, soir, avec un petit snack. De temps en temps, pas tout le temps, quand j'en ai envie. Donc c'est soit je prends un fruit, soit une barre de céréales, soit un petit banana bread. Voilà, au fait la recette elle est juste trop trop bonne. Sinon je voulais revenir très rapidement sur des petits commentaires que vous me laissez souvent sous les vidéos en disant quelle volonté, quel courage, comment tu fais, moi j'ai pas le courage, etc. Mais écoutez, c'est très simple, je pense que ça dépend vraiment de la personnalité de chacun. Moi c'est vrai que j'ai une très forte personnalité et c'est tout ou rien. Donc après, tout le monde, on n'est pas tous pareils. Par exemple, je prends l'exemple de Sébastien, mon mari, qui lui est un peu plus gourmand. Donc il a un peu plus de mal que moi. Il grignote assez souvent quand même s'il est en rééquilibrage et qu'il a pas mal fait d'efforts. Mais ça reste encore un réflexe en fait. Donc avec lui, par exemple, à partir de lundi, on va tout réinitialiser et on va y aller par palier. Par exemple, la première semaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer tout ce qui est boissons sucrées,
boissons gazeuses ou sucre, gâteaux, les choses comme ça. Voilà. Déjà, ça, on va le supprimer et on va remplacer par exemple la boisson gazeuse par de l'eau gazeuse ou de l'eau plate infusée avec du citron. Enfin, voilà, on va trouver des variantes qui va faire que on va essayer d'enlever cette mauvaise habitude. Ensuite, la deuxième semaine, on va remplacer le repas du midi par un repas sain avec des légumes, un petit peu de féculents et une protéine, et puis éventuellement en dessert un fromage blanc, voilà quoi, par exemple. La troisième semaine, on va remplacer le snack, et je pense que c'est à ce moment-là où on grignote peut-être le plus. Donc supprimer le snack par un snack sain avec soit des fruits secs, un fruit, enfin voilà quoi, on va trouver des variantes. Si vous n'avez pas d'idée de recette, c'est très simple, vous avez YouTube maintenant et sur YouTube vous avez vraiment vous avez le choix quoi. Si vraiment vous cherchez des recettes pour faire des snacks ou même des repas du midi, vous ne pouvez pas me dire que vous ne trouvez pas. Et la quatrième semaine, on remplacera le repas du soir par un repas sain comme une soupe avec des légumes ou des légumineuses ou une salade, des légumes verts avec une viande ou des légumes verts et un poisson. On va reprendre les choses au fur et à mesure. Je pense qu'il faut vraiment y aller à son rythme. C'est comme les enfants. Nous aussi, nous avons notre propre rythme. Donc ça ne sert à rien de brusquer les choses parce que sinon on va droit au mur. Donc voilà. Bon, voilà, maintenant que j'ai blablaté, je vais vous laisser directement avec la fin du diet vlog pour savoir combien j'ai perdu cette semaine. Je vais donc vous laisser, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau retour de vlog et une petite surprise aussi. Ciao !